J'ai pratiquement terminé mes gants pour mes petits lépreux de Jakarta. Oh. Je trouve ça complètement inutile, Pierre. C'est tout la Croix-Rouge. Ça, il me demande de faire des gants à trois doigts. Alors, vous ne croyez pas que j'aurais plus vite fait de faire des moufles? Mais bien sûr. Prenez-vous. Parce que dans la mesure où il n'y a que le pouce, ça ira tout comme ça. Mais Thérèse, si je peux me permettre... Une bonne paire de chaussettes, hein. Une paire de chaussettes, c'est pas... On dit tes bêtises, hein. Ouf, Marquez, je préfère faire la permanence avec vous qu'avec Monsieur Muscat. Oh bah écoute, t'es raison de gêner, là. Non, il est gentil, si vous voulez. Mais franchement, il manque un petit peu de fantaisie. C'est cela, oui. Écoutez, Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, il est gentil. N'est-ce pas? Téléphone raccroché. Oh, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, Thérèse. C'est vrai, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Dites, Pierre... Oui. Bon, ben, hein? les cadeaux, on se les ferait maintenant ou on attendrait minuit? Oh, ben, vous avez peut-être raison, attends que c'est calme. Oui. C'est vrai, finalement, à minuit, c'est toujours le coup de feu. Oui, hein? Mais c'est ce que je veux. Allez, attends. Oui. Joyeux Noël, Pierre. Oh, merci beaucoup, Thérèse. Ça va vous plaire, oh. C'est que c'est dur de vous faire plaisir, vous avez tout. Écoutez, Thérèse, non, rien que d'avoir pensé que c'était Noël, c'est formidable, écoutez. Ben, regardez d'abord, hein. Oh, de l'extérieur, c'est déjà magnifique, Thérèse. Ah, ben, sans mentir, je crois que c'est original. Oh! 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 Alors, vraiment, écoutez, alors, Thérèse, une serpillière, c'est formidable. C'est amusant, c'est formidable. Hein. C'est un gilet! Bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras, bien sûr. Je suis ravi, Thérèse. Vous savez, j'avais d'abord pensé à un joli cavalier de bleu marine, comme je sais que vous aimez bien. Et puis je me suis dit, dans ces coloris-là, ça changera. Mais bien sûr. Vous avez tout à fait raison, Thérèse. Écoutez, le gris et le bordeaux, ça met toujours une tache de gaieté. Regardez, je suis ravi. Il n'y a plus de miroir, je suis... Écoutez, Thérèse, j'ai eu toutes sortes de pullovers, mais comme ça, jamais. Je suis ravi. Ah, ben oui. Ça, alors, là, vous savez, c'est une chose qui n'est pas commune et que vous ne verrez pas chez tout le monde. Mais j'espère bien. Et puis, écoutez, Thérèse, je me disais toujours qu'il manquait quelque chose pour descendre des poubelles. Je suis ravi. Ah, oui, c'est vite enfilé. Alors, oui, vous savez, je suis contente que ça vous plaise parce que je l'ai fait de tête, hein. Ah bon? Alors... C'est extra, hein. Je me demanderais s'il ne serait pas un petit peu court. Ah, sur la gauche un petit peu, Thérèse. Vous avez remarqué, voilà, ça se rattrape facilement au lavage. Quand c'est encore un petit peu humide, oh, vous tirez de ce côté-là. Écoutez, Thérèse, je ne vais peut-être pas vous donner tout de suite, n'est-ce pas? Pour l'instant, j'aurais peur de mettre mardi avec mercredi. Mais écoutez, Thérèse, comme la vie est savoureuse, c'est même, n'est-ce pas? Moi aussi, mon cadeau, je l'ai fait de tête. C'est une toile que j'ai peint pour vous. Alors, je vous le dis tout de suite, Thérèse, bon... Il se peut que vous soyez surprise. Alors, n'y voyez surtout pas le fantasme de l'homme. Mais plutôt, si vous voulez, la recherche créative, le délire de l'artiste, n'est-ce pas? Ça, hein, on sait ce que c'est. Oui, 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 oui. Asseyez-vous quand même. Ah oui. Et bien alors, je ferme les yeux pour la surprise, hein. Vous aimez toujours les animaux, Thérèse? Ah oui, je les adore. Et la danse? Vous aimez la danse? Ben, j'étais très douée dans... Alors, ça devrait vous plaire. Tenez, Thérèse, regardez. Bon, c'est-à-dire, il faut le voir chez soi, bien sûr. Ben, si, oh, c'est très frais, oui. C'est...
Ça, oui, c'est très frais. Je ne peux pas dire que je n'aime pas, non. Bon. Enfin, c'est très différent de la dernière toile que j'avais vue de vous. Ah bah oui, qu'est-ce que c'était? Les porcs à l'usine. C'était un sujet un petit peu plus politique. Oui, non, c'était seulement le début de la série charcuterie à l'époque. Enfin, là, faut dire que l'intervention de la grosse femme va beaucoup plus loin. Ah bah oui, mais c'est là que je me rends compte que malheureusement, je vous ai moins bien réussi que le porc, quand même. Vous avez changé de coiffure, Thérèse, hein, bien sûr. Bah là, c'est peut-être un petit peu flatté. Oh, ou... bah non, non. Ah oui, et... enfin, comment dire... le porc, ce serait vous. Bon, écoutez, Thérèse, je suis désolé, mais je n'aime pas parler de ma peinture. Vous savez, je ne suis pas un professionnel. Hein, je rêve, je peins. Après ça, je ne suis plus qu'un spectateur comme...